Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date du 28 juillet 2014, je suis à Zaroko. C'est le dispensaire des Zaroko. Voilà, c'est le dispensaire des Zaroko conçu depuis 1995. C'est l'année dernière qu'ils ont prié et voici nous avons trouvé un cardinal ici qui a fait les travaux. Dispensaire des arcos, un dispensaire bien construit, bloqué. Voilà, l'année dernière, c'est ici que nous avons déterré le cadenas mystique. Et dans ce trou-là, nous avons déterré un cadenas mystique. Je ne sais pas, l'année dernière. Voilà, c'est un dispensaire. On ne peut pas parler de développement sans santé. C'est pour cela que merci pour nos bien-aimés qui ont décidé de nous aider à réhabiliter. Parce que l'église ne doit pas être celle qui tend seulement la main. Mais l'Église doit être celle qui donne aussi. Et donc, ceux qui sont, qui veulent aussi aider, n'est-ce pas, le village qui appelle Zaroko par rapport à ce dispensaire, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions venir en aide à ce village. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment en travail, qui meurent avec leur grossesse ici dans ce village. Ce n'est pas déjà une bonne chose. Déjà, à partir du mois le 9 prochain, nous allons distribuer des guides d'accouchement, nous allons aider, parce que c'est ça, l'Église. Dans ce village, il y a beaucoup de cadres. Il y a la part de Dieu. Donne à César ce qui est à César, et à Dieu, Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Nous avons prié, le dispensaire a été libéré sur le plan mystique. Il y a eu même l'affectation d'un infirmier sage-femme. Il ne peut pas prendre fonction parce que, regardez un peu les locaux, sont dégradés. C'est vraiment dégradé. Voilà, c'est dégradé. Alors, quand je fais appel au gouvernement de la Côte d'Ivoire, au président à la Saint-Bacara, qui dans un village qu'on appelle Zaroko aujourd'hui ici, il y a un dispensaire. Et en même temps, madame, la première dame, que Dominique Ouattara, qui a un grand ONG, qu'on appelle Children Africa, pour dire de penser au village qu'on appelle Zaroko. Voilà, cette première dame, en fait, de soutenir ce village, voilà, en réhabilitant, en aidant dans les médicaments, pour que y ait une population, cette population soit vraiment totalement libérée sur tous les plans. Elle a besoin vraiment. D'être aidé sur tous les plans. Voilà. Voilà, c'est le dispensaire de la forêt. Il est dégradé, il a besoin d'être réhabilité. Réhabilité. Voilà. Ça, c'est pas une question de parler en langue, c'est pas une question de Saint-Esprit. Non, 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 c'est une question de financer maintenant le projet. Nous devons aider le dispensaire des arbres. Voilà. Moi, en tant que citoyen de la Côte d'Ivoire, je suis en train de chercher les moyens. Et j'ai eu des certains contacts, mais si vous voulez aussi aider, nous aider, gloire à Dieu. Il ne faudrait pas que les gens aussi meurent. Les personnes ont droit à la vie. Voilà, donc à partir du 9, nous allons lancer le projet de réhabilitation de ce dispensaire. Nous allons réhabiliter le dispensaire. Vous voyez comment c'est dégradé. Vous voyez, un dispensaire perdu, fermé depuis 1995, construit. Qui a besoin d'être libéré. Voilà. Parce que l'homme a droit à la vie. Et ça, je vous dis, l'être humain a droit à la vie. L'être humain a droit à la vie. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'aider. Voilà. D'apporter notre assistance, d'apporter la vie autour de nous. Et c'est ça l'Église. L'Église, Jésus-Christ, est le chemin, la vérité, la vie. C'est ce que nous voulons faire d'ailleurs. Alors merci pour l'Église dans le monde entier. Et surtout au président de la République, la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara et sa femme Dominique Ouattara. Qui soutient, qui a une grande ONG qui apporte beaucoup à l'humanité. Voici un dispensaire ici à Zaroko, un village de la Côte d'Ivoire, vous voyez, fermé, en manque d'équipement, fermé, c'est dégradé. Un dispensaire, un infirmier a été affecté, mais hélas, il ne peut pas prendre fonction. Voici la maison du dispensaire, je vais lui exprimer son bien. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de trucs, c'est dégradé, tout est dégradé. Voilà, donc voici un peu. Par la grâce de Dieu, avec nos relations, nous avons déjà commencé à avoir des médicaments et qui nous allons commencer à mettre à la disposition de ce village, les kits d'accouchement. Par la grâce de Dieu, devant les autorités de la ville et tout ça, le village, nous allons lancer le réhabilitement de ce dispensaire. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un cadre, si nous avons des moyens.
nos relations, nous devons les mettre à la disposition de Dieu. Voilà, afin de pouvoir aider cette population. Parce que je vous dis bien que l'homme a droit à la vie. Et c'est le combat que nous menons. Voilà, le combat que nous menons. Si l'État a été délivré, les 5 choses comme projet fermé de développement, nous devons aider ces projets à se réaliser. Voilà, donc merci pour ceux de Londres qui ont décidé de nous aider, vraiment, sur ce plan. Merci aussi au monde entier. Et merci au Montréal. Montréal a gagné mon cœur et je n'ai pas que de Montréal, du Canada. Shalom.